Imagine there is no heaven. Voilà, on est enfin sous voile. Ça fait du bien de retrouver un petit peu de glisse. 4 nœuds de vitesse. Bon, le courant nous aide bien. Encore une fois, il y a 110 de coué. Alors, comme reprise, c'est très tranquille. Mais c'est bien, je crois, de recommencer la saison par du petit temps. Bon, après, je crois que le bateau est plus que prêt. C'est le marin qui l'est pas, quoi. C'est des moments volés, ça. C'est encore des moments volés, ça. C'est pour ça qu'il faut remettre à l'eau pas trop tard. Parce qu'il y a des super conditions. Il y a des super conditions l'hiver. Je le dis souvent, mais c'est quasiment les meilleures journées, je trouve, de navigation. Le premier de l'année, la saison commence bien. Il y a de quoi manger. Et puis celui-là, il est pas mal, hein. On n'est pas bien là? Tranquille, peinard. Allez, encore une fois, là, je vais essayer de vous montrer les effets des courants. Là, on fait cap sur la falaise. Et au niveau du GPS, hop, regardez, je fais quasiment cap sur l'autre côté. C'est-à-dire que j'avance complètement en crabe. Encore une fois, là, je suis dans le jus. J'ai une vitesse de 3 nœuds là, et honnêtement, il y a 4 nœuds de vent, donc et le courant, il me pousse complètement comme ça. Je me suis décalé sur le fond de la rade, comme je suis au près et que le vent vient de là-bas et que c'est là-bas que je veux aller, je me suis décalé sur le fond de rade pour profiter du jus qui me ramène le plus possible et pour gagner au max d'angle de vent. Et là, je suis toujours sur un bord, j'ai toujours pas fait de virement de bord, et aussi bien je vais passer directement comme ça. Alors que si j'étais resté complètement dans l'axe de ma position, j'aurais dû louvoyer pour arriver. Donc là, j'ai tenté un coup, ça a l'air de fonctionner, alors on va voir. Pour bénéficier du jusant et qui me ramène sur mon cap, et là je suis toujours sur un bord, c'est toujours comme ça. C'est ça qui est sympa à naviguer dans les gros coefs, c'est qu'on peut vraiment se servir du courant. De toute façon, on n'a pas tellement le choix, on est obligé de s'en servir, on ne peut pas trop lutter contre. Et donc là, il faut vraiment que ça devienne un allié. C'est pour ça que c'est pas si compliqué que ça de naviguer dans des zones à courant. Au contraire, ça aide vachement finalement dans la navigation. Mon astuce a fonctionné. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais la Cormorandière est là-bas et on va passer. Donc on va passer d'un seul bord. J'ai profité du courant favorable qui me pousse vers la sortie du coulée. Là, en fait, je suis sur une autoroute. On est à 5 nœuds là maintenant. Alors qu'il y a 5 nœuds de vent. Ça m'a permis d'éviter de louvoyer comme un âne parce que le vent était vraiment dans mon axe, sur mon cap, quoi. Et là, j'ai réussi à faire tout d'un seul bord et on va passer large. Et après, là, le courant vient de là-bas. Et après, dès qu'on va être dans l'axe du boulet, hop, il va nous repousser. Donc on va être. Il va nous repousser vers le large. Et ça va être nickel. Pour l'instant, c'est un succès. Les macros, un peu d'air, le courant qui nous a bien aidé, qui nous aide bien. On a la mer à nous. On a tout pour nous. Tout est favorable. Pour l'instant, les conditions sont vraiment hyper favorables. Et dans ces cas-là, il y a des moments en voile, on se demande un peu ce qu'on fait là. On est trempé, on a froid. Il n'y a rien qui va, on a des avaries, et puis il y a des jours où tout va bien et où tout se passe pour le mieux. C'est pour ça qu'on fait de la voile, hein, c'est pour ces moments-là. Regardez, là c'est la pointe sur laquelle on faisait cap tout à l'heure et j'ai pas du tout modifié mon cap. Je suis toujours sur le même cap en fait. C'est vraiment le courant qui nous a fait dévier de notre trajectoire exactement comme on voulait. Youhou ! Allez, ça y est ! On touche du vent !
Y'a pas beaucoup, il y a 14-2. Mais ça y est quoi. Le bateau est pas trop mal réglé encore. Le pilote arrive bien à barrer, mettre 14-2. Ah bah voilà. Regardez la vitesse. 6-5. Et là on a moins d'influence du courant quand même. Allez, allez, ça y est, c'est reparti. Là, c'est des conditions optimum, là. On avance. On avance, ça remue un petit peu, juste ce qu'il faut. C'est parfait. Toujours pas croiser un bateau. C'est la parquette. C'est environ on est à peu près à une quinzaine de milles de Brest. Là maintenant on a 10-15-2 établi. Maintenant on a 10-15-2 là. C'est bien établi, donc c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Pour la première sortie de l'année, pas aller trop loin. Voir si tout ce que j'ai fait sur le bateau a tenu, s'il n'y a pas de voie d'eau, si j'ai pas oublié de serrer un truc. Mais bon, a priori ça va. Voilà, et là maintenant, comme c'est l'hiver, il y a toujours une bonne houle, parce que c'est rare qu'il y ait une dépression quelque part, en tout cas on a de la houle virtuelle de quelque chose. Et là maintenant on approche des 2 mètres de houle. Mais bon, comme attaché, hein. Vous me direz il est temps, mais c'est vrai, vous aurez bien raison, il est bien temps. En pleine mer c'est vrai que je m'attache aussi, quand je suis en rade tout ça pas toujours, mais en pleine mer j'aime bien m'attacher quand même. Là il n'y a pas grand monde quand même qui pourrait venir me récupérer tout de suite si je tombais, voilà, à part moi-même. Et on avance plus au portant. Avec la houle, on se donne un peu plus de mal à barrer. Et on avance bien bien là, parce qu'on est au-delà du jeu. Ici pour mon bateau est pas mal. C'est très correct là, parce qu'on n'a pas l'envie avant. Regarde ça. Youhou!
voilà, c'est la fin de la vidéo. On rentre à la maison. L'île longue là au large. La base des sous-marins. En espérant qu'on n'ait pas besoin des gars qui sont dedans. Rien à voir la rade avec le large, hein. On n'a pas du tout les mêmes conditions. Hein. Il n'y a plus du tout de houle, là, ça glisse tout seul. Et pour une fin de journée réussie, bah, il faut réussir sa manœuvre de port. Sinon c'est la loose, on s'arrête sur une mauvaise note. Alors on va essayer d'y arriver. Voilà, c'est la fin de la vidéo, on rentre à la maison tranquille. Vous aurez partagé avec moi la première nave de l'année. Salut tout le monde, à bientôt.